Dieu va vous surprendre. Amen. Regardez cet homme. Vous allez recevoir un coup de fil d'un ami à vous, d'un ancien ami, Gilbert Abena. Jesus. C'est quoi? Il y a quoi? Vous voulez pleurer? Non, ça va aller. D'accord. Dis à ton voisin, ça va aller. Dieu est de notre côté. Il va vous appeler. Amen. Il va vous appeler. Amen. Il aimait vous appeler Armando. Il va vous appeler. En fait, vous dire. Armando, c'est parce que à l'époque où je jouais au football, je jouais tellement bien au football et à cette époque-là, il y avait Armando Maradona aussi. Oui. Donc c'est pour ça que... Il vous appelait Armando. Oui. D'accord. Il va vous appeler. Je dirais, Armando, j'ai une opportunité unique pour toi. Viens mon frère. Et il vous donnera. Vous occuperez ce poste que personne avant vous et personne après vous n'occupera. Amen. Bless you. God for it in Jesus' name. Oh, j'aime ça, ils sont main dans la main. Oui, yes. L'esprit de mort. Spirit of death, spirit. L'esprit de mort, c'est ça. Vous avez fréquenté où? Where did you school? Vous avez fréquenté où? Vous avez fait le secondaire où? J'ai fait le secondaire au lycée de Coleton et au lycée bilingue de Bouya. Ok. Au CS, à l'époque c'était le CS. Oui. Au CS de Nsam et Foulane. D'accord, c'est bien. Je vais vous revenir parce que votre mariage, alors je parle, vous vous êtes marié en 2000. Nous nous sommes mariés en 2019. 2019, c'est ça? Vous êtes mariés en 2019. Oui, c'est janvier 2019. Ok, c'est bon. Votre mariage, votre mariage, on va, je peux vous aider. Je peux vous aider. Merci, papa. Oui, je dois vous aider parce que vous avez besoin d'aide. C'est un sujet dont vous parlez. Amen. Vous discutez de ça, vous priez même par rapport au sujet dont je suis en train de parler ici. Amen. Hein? J'ai vu un panier, mais qui est vide. Un panier, un berceau. Mais qui est vide dedans. Vous me suivez? Oui. J'ai vu un berceau, mais qui est vide. C'est-à-dire, entre vous, j'ai vu un berceau, mais il n'y a pas d'enfant dedans. C'est vrai. C'est vrai. Hmm? C'est vrai. Il n'y a pas d'enfant. Ah ouais. Nous allons prier ensemble et un enfant sera déposé. Amen. Amen. Vous deux, vous avez des problèmes. Chacun a son problème. Dans cette affaire, chacun a son problème. Elle a un problème, vous aussi vous avez un problème. Et nous allons prier pour cela. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le problème qu'il y a entre vous, c'est quelque chose de spirituel. Il faut la prière. Pendant que vous suivez le traitement, il faut la prière. Je vais vous suivre spirituellement. Je m'adjoins à vous ce matin pour libérer. Amen. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Amen. Quand vous étiez au secondaire, vous étiez un gentleman. Vous l'êtes toujours. Les femmes, vous courez après. Vous étiez un garçon très propre, très galant, toujours. Zaratawa inoka filoi. Laissez-moi vous montrer une, deux, trois, quatre choses. Quand vous étiez à l'école, alors, dans cette vie que vous aviez, il y a commencé à avoir des paris sur vous. Des paris. Un club de jeunes filles. Il y a une jeune qu'on appelait Julienne. Avec qui vous avez été à cette époque. Vous avez vécu avec cette fille. Et vous l'aimiez beaucoup.
Je l'ai vu chez vous. Hein. Vous habitez une chambre. Elle venait m'attendre votre chambre. On va rester faire un jour, deux jours, trois jours. Exact. Avant de partir. Exact. Une fille un peu potelée comme ça. Exact. J'ai dit des choses qui se sont passées dans sa vie. Cette Julienne avait une amie qu'on appelait Nicole, qui était aussi une camarade de classe à vous. Et quand Julienne venait, Nicole aussi vous intéressait. Et puis vous êtes allé avec les deux. Vous avez touché les deux. C'est même pas que c'est une histoire. Je vous raconte votre vie. Vous avez touché les deux. Mais ce que vous ne saviez pas, c'était quoi? C'est que ce soit Nicole, que ce soit Julien, Julie. C'était des jeunes femmes. C'était des jeunes femmes qui étaient dans une association de sorcellerie. Et comme vous vous vantiez en classe, c'est ce qu'elles disaient. Elles ont dit, ok, lui, on va l'amener ici. On va le prendre. Vous avez essayé de résister à Julienne, mais vous avez fini par céder. Et quand Julienne est même arrivée, quand elle vous a séduit, vous étiez avec une autre fille déjà, qu'on appelait Denise. Wow. Il dit wow. Et c'est à cause de Julienne que vous abandonnez Denise. Vous savez que vous êtes tombé dans un piège. Et on vous a, elles vous ont invité en couchant avec vous. Elles ont eu accès à votre esprit. Elles vous ont invité et il y a eu une cérémonie secrète vous concernant. Il y a eu une cérémonie. Et cette cérémonie, Darian Nauros, cette cérémonie, il y a eu une cérémonie, vous étiez tout nu. Il vous a mené là, tout nu. Et ils ont fait des incantations, des imprécations, disant que vous soyez stérile et que chaque femme que vous croisiez, qu'il y a une séparation, une femme que vous aimez vraiment, qui n'ait jamais d'enfant. C'est quelque chose qui est dit, c'est quelque chose qui est dit contre vous, c'est très puissant ce que je dis. À cette époque-là, quelque chose s'est passé à l'école. Dans votre salle de classe, il y avait une de vos profs de français, je crois français, qu'on appelait Marie-Louise, Madame Marie-Louise. C'était une jeune femme comme ça. C'était l'une des plus intelligentes à l'école, parmi vos enseignants. Au collège Mongobiti. Oui. Elle était tombée malade. Elle n'a pas fini l'année. Elle est morte à l'heure où je parle. Égorgé dans la sorcellerie. Parce qu'à cette époque-là, l'esprit qui vous attaquait, cette femme priait pour vous en secret. Parce qu'elle vous aimait beaucoup. Énormément. Oui. Vous aimez beaucoup. Énormément. C'était ma prof et elle trouvait que j'étais le plus brillant de ses élèves. Oui. Et elle m'aimait beaucoup. Oui. Maintenant, regardez. Quand je vous ai vu, Dieu m'a dit, prie pour lui. Et j'ai écrit quelque chose sur un bout de papier. J'ai remis ça, c'était où? Apporte-moi une feuille pour que je n'oublie pas ce que j'ai entendu. Je vais écrire ça. Tu peux lire ce que j'ai écrit là, révérend, ça va? Tu veux? Quand je suis arrivé à côté de vous, vous étiez assis ici. Je suis arrivé ici, ici. Quand je vous ai vu, j'ai vu derrière vous ce que j'ai écrit sur le papier. Vous êtes avec qui ici? With who are you here? C'est qui pour vous? C'est votre épouse. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? 2019. Je vais vous parler tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'ai entendu quand j'étais à côté de vous. Amen. Ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Amen. Et c'était le début en fait. Voici ce que j'ai écrit. Mais vous pouvez lire ça. Personne. Non, je ne suis pas. Personne ici-bas ne peut lire ça parce que c'est.
Personne ne peut dire ça. Là, c'est mon écriture. Tiens-moi ça. Faites un pas. Deux. Trois. Ok. Le mariage ici a été combattu. Votre mariage ici. Énormément. Le mariage a été combattu. Trop. Les femmes ont divorcé. Hein? On a failli divorcer. Oui. Le mariage a été très combattu. Bien. Dieu dit quelque chose. J'ai parlé de Julie. J'ai parlé de Nicole. De Nicole. Et ce que j'ai écrit, c'était Hélène. Hélène, c'était la plus dangereuse de toutes les femmes que vous avez croisées. Ça, c'est la reine. Ça, c'est le malheur de votre vie. Tiens. Mais vous êtes venu aujourd'hui. Vous n'êtes pas où vous devriez être. Votre niveau de vie. Vos amis sont loin. Wow. Ceux qui, à l'école, vous étiez comme le professeur, sont loin devant vous aujourd'hui. Il y avait un esprit de retard à cause de ces hôtels. Nous allons prier Dieu. Je vous dis la vérité devant Jésus. Vous pouvez être un enfant de Dieu. Vous vivez toute votre vie dans le malheur jusqu'à mourir. Parce que vous n'avez pas trouvé les vraies raisons de votre problème. Comme je prie pour vous, dans 3 ans, 2024, 2025, 2026, je vous ai vu dans un duplex. Notez ce que j'ai dit. 2026. Amen. Je vous ai vu dans un duplex qui est votre maison construite. J'ai vu, je l'ai vu accoucher. Amen. Ça arrivera certainement. Amen. Amen. Vous, j'ai vu une connexion à des organismes internationaux. Vous. Vous suivez? Très bien. J'ai vu un rapport avec des organismes, mais internationaux. Amen. Dieu, écoutez, Dieu va vous surprendre. Amen. Regardez cet homme. Vous allez recevoir un coup de fil d'un ami à vous, d'un ancien ami, Gilbert Abena. Jesus. C'est quoi? Il y a quoi? Vous voulez pleurer? Non, ça va aller. D'accord. Ouais. Dis à ton voisin, ça va aller. Dieu est de notre côté. Il va vous appeler. Amen. Il va vous appeler. Amen. Il aimait vous appeler Armando, Armando, Armando. Il va vous appeler. En fait, Armando, c'est parce que à l'époque où je jouais au football, je jouais tellement bien au football et à cette époque-là, il y avait Armando Maradona aussi. Oui. Donc c'est pour ça que. De temps il vous appelait Armando. Oui. D'accord. Il va vous appeler. Il dira, Armando, j'ai une opportunité unique pour toi. Viens, mon frère. Et il vous donnera. Vous occuperez ce poste que personne avant vous et personne après vous n'occupera. Amen. Bless you. The free in Jesus' name. Laissez-moi vous dire une chose. Cet homme, c'est un homme qui a traversé des moments compliqués. Mais il est resté attaché à Jésus. Il a attendu patiemment le jour de sa délivrance. Aujourd'hui, l'Éternel lui a parlé. 1, 2, 3 ans. 2024, 2025, 2026. Vous le verrez.
dans sa voiture, in his car, dans sa maison, in his house, et Dieu les établira. And God shall establish them. Que tes ennemis soient dans la honte au nom Let de Jésus. Your enemies be shamed.